Je demanderai d'enlever vos gants, s'il vous plaît. Merci, madame. En 1958, il est nommé vicaire à la paroisse Saint-Pierre de Charenton. Puis, en 1966, il est nommé vicaire à la paroisse Saint-Gervais-Saint-Protais de Bry-sur-Marne. En 1968, il est nommé vicaire à la paroisse Saint-Eustache de Thiers. En 1982, il est nommé vicaire à Saint-Pascal-Bellon de Créteil. Puis, en 1986, curé de cette même paroisse. En 1992, il est nommé curé à Sainte-Agnès de Maison-Alfort. En 1997, il est nommé prêtre associé à l'équipe pastorale de l'Aile des Roses. Et en 1998, il est nommé prêtre associé à l'équipe pastorale de Choisy-le-Roi, Thiers. Enfin, en 2016, il prend sa retraite à la maison Marie-Thérèse à Paris. Il avait du caractère et c'était pas toujours facile. Mais il était très présent pour les messes dominicales, les baptêmes, les obsèques, les mariages, les bénédictions, la messe de la santé. Il était méticuleux, précis et rigoureux et rien ne l'échappait pour préparer les célébrations. Il avait son franc-parler mais se rendait toujours disponible
auprès des personnes âgées ou isolées qu'il allait visiter et partager le thé accompagné de petits gâteaux car il était gourmand. Par contre, pour les obsèques, il ne souhaitait pas beaucoup de chant et préférait la musique seule. Il était très mélomane et critiquait facilement ceux qui jouaient ou chantaient avec des fausses notes. Il n'aimait pas non plus la profusion de fleurs et préférait de simples roses ou du muguet qu'il cueillait dans le jardin attenant au presbytère. Il n'aimait pas non plus les paroissiens qui restaient au fond de l'église et leur demandait de monter dans le chœur afin qu'ils ne se retrouvent pas seuls à l'autel. Chaque mois, il accompagnait par une célébration eucharistique le groupe marial du doyenné, car il vouait une attention particulière pour la Vierge Marie, notre maman du ciel, comme il aimait à le dire. Il aimait les voyages et partait tous les ans muni de ses gros appareils photo pour en rapporter de très beaux souvenirs. C'était un passionné de culture et il savait bien nous le faire partager. Nous avons beaucoup appris à son contact et malgré son air de brume, il répondait à nos questions et fournissait des explications très claires, que ce soit pour la liturgie, la catéchèse. En fait, nous n'avons plus de prêtre résident depuis 30 ans et la présence du père Ciotti nous a beaucoup aidés. De 2000 à 2011, la paroisse du Saint-Esprit a vécu une expérience pastorale innovante. Le père Ciotti était là et cette période lui doit beaucoup. En effet, au départ de la sœur Marie-Hélène, élue supérieure générale de son ordre des Ursulines, notre évêque, le père Frétonnier, a alors confié la paroisse à l'œuvre. Donc sans prêtre, sans curé, entouré toutefois de deux prêtres, le père Paul, bénédictin, curé de Saint-Louis et modérateur de la paroisse. Et le père Ciotti, présent sur place, mais en retrait. Le père Ciotti, tout en veillant scrupuleusement à ne pas s'impliquer dans les organisations responsables de la paroisse, nous a alors aidés de façon discrète et priante à plusieurs titres. Bien sûr, en premier lieu, il présidait nos célébrations. Et ces homélies, aussi courtes que pertinentes, étaient quelquefois orientées par les débats bien légitimes qui agitaient notre communauté. En deuxième lieu, il désirait la croissance, l'émancipation des laïcs aux responsabilités, et il considérait à raison que dans ce but, la formation et la réflexion étaient indispensables. C'est ainsi qu'un jour, il me donna toute sa collection des carnets du Val, une vingtaine de petits opuscules théologiques pour et clair de la communauté dominicaine du Val-Martel. Prier comme on respire, le péché et la peur, comment peut-on être musulman? Magnifique. Je les ai toujours et les ai régulièrement proposés aux jeunes animateurs de l'aumônerie des lycées. Enfin, pas de traces de clericalisme chez le Père. Au contraire, un humour et un esprit critique parfois ravageur, à son propre égard ou à celui de ses frères bénédictins, à l'époque très présents sur le secteur. Au moment de la mort de Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II, il m'a dit « Que n'avons-nous pas dit comme bêtise sur ce pape quand on voit tout ce qu'il a fait ?» C'était un esprit libre, toujours en recherche de la vérité évangélique de la foi, au-delà ou à l'intérieur des symboles de la religion. Il était ainsi favorable à une plus grande ouverture de l'Église à l'accueil des divorcés mariés. Un regret, avoir souvent pensé à aller le voir à Sainte-Thérèse et ne l'avoir jamais fait. Nous avons désormais un ami de plus au ciel. Merci Jacques de ce que vous avez fait pour nous et pour les communautés que vous avez accompagnées au long de votre service de prêtre.
Le père Jacques était aussi un habitant du quartier, discret. Il aimait la marche et entretenait sa forme physique par des tours quasi quotidiens autour du plan d'eau. On ne peut pas dire qu'il était d'un abord facile. Oublie aussi, il l'était. Mais son style de bonhomme pouvait intimider, le faire passer pour quelqu'un de pas commode. Alors qu'en réalité, il appréciait qu'on s'approche de lui, qu'on vienne lui parler, qu'on fasse connaissance, pas à pas, qu'on se familiarise un peu avec lui. Une attention aiguisée sur les personnes et la vie de la paroisse le caractérisait. Des enfants d'alors, aujourd'hui devenus adultes, se souviennent peut-être des répétitions de veillées de Noël. Il aimait rappeler qu'avant le séminaire, il avait été formé au métier de tapissier. Il avait l'œil pour apprécier, pour critiquer les compositions florales, et pas seulement. Pour ses homélies, il nous fallait une oreille plus qu'attentive pour capter ce que sa voix fine véhiculait de bien d'être simple et sincère. Une paroissienne, aujourd'hui très âgée, lui demandait quelquefois, à la fin de la messe, s'il pouvait lui donner le papier sur lequel il avait couché son homélie. Du livre de Job, gardez confiance dans l'épreuve.
Job prit la parole et dit : Ah, si seulement on écrivait les paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon rédempteur est pour moi, que le dernier, il se lèvera sur la poussière, et quand bien même on m'arracherait la peau, de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Acclamons la parole de Dieu.
Thank you.